Je m'appelle Juan Arbelez, je suis colombien, je suis arrivé en France à 18 ans. J'ai ouvert mon premier restaurant qui est celui-là, Plancha, il y a 7 ans. Je suis cuisinier et restaurateur aujourd'hui, je pense que j'ai la double casquette. Et je suis un grand passionné de la France et ses produits. J'aime bien avoir un peu les différentes textures avec la Saint-Jacques. Donc du coup, on va tout simplement prélever les noix et on va derrière dresser à l'intérieur de la coquille dans un petit... vous allez voir, les trois accompagnements différents. Alors, il y a plusieurs techniques pour ceux qui n'ouvrent pas des Saint-Jacques très régulièrement et qui hésitent ou qui doutent en fait à tailler correctement. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient là derrière et on va faire tout simplement pivoter pour faire sauter la jointure de l'arrière. Ok ? Et en fait, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va venir suivre le plus près possible donc, la coquille d'au-dessus. On va venir faire sauter donc là le muscle qui est la noix et on a notre Saint-Jacques qui est prêt à être prélevé. Pour récupérer les noix, tout simplement, on va venir séparer. On la tourne sur elle-même grâce au pouce et hop là, on arrive à avoir nos noix rapidement. J'ai vraiment récupéré les barbes de Saint-Jacques que je vais tout simplement faire confire. Et comment on peut les récupérer pour faire un... On va se faire un petit, aussi une petite sauce. Petit courreau, je vais tout simplement les tailler en trois. Je vais les faire sauter un tout petit peu avec de l'ail noir. Le courreau entier, moi je suis un tout petit peu moins fan. J'aime bien quand il est un peu taillé, sauté rapidement avec une belle garniture aromatique, pas mal d'herbes. Je prépare mon ail. Donc l'ail noir, c'est un ail qui a été tout simplement fermenté. Si vous n'avez pas de l'ail noir, faites un petit peu d'ail frais avec un tout petit peu de sauce soja et faites-le confire avant, peut-être dans un peu d'huile d'olive pour l'adoucir. Voilà, là ça suffit, j'aime bien que c'est saisi rapidement. On débarrasse. Là on a donc nos barbes de Saint-Jacques qui ont été bien rincées. Et tout simplement, je vais les faire revenir et on va les confire tout doucement. Et derrière, les lier comme une carbonara. Tranche de lard qui va lâcher un peu de gras. Je vais rajouter quand même un filet d'huile d'olive pour me permettre un peu de bien récupérer tout mon gras. Et là, tout simplement, en fait, je vais venir disposer mes barbes qui vont confire tranquillement pendant à peu près 30 à 45 minutes. Il faut qu'elles soient bien confites. Ouais, les Saint-Jacques, il faut bien les rincer. En général, soit un petit filet d'eau. Donc on ouvre un petit robinet, on fait tomber de l'eau pour pouvoir venir enlever toutes les petites parties de sable qu'il peut avoir à l'intérieur. Moi, ma petite astuce, ce que je préfère, c'est les laver à l'eau de mer. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, là, on n'a pas trop de mer à Paris. Alors, pour nos Saint-Jacques, là, ce que je vais faire, c'est que je veux que la chaleur puisse bien rentrer à l'intérieur de ma Saint-Jacques. Donc, je vais tout simplement quadriller, mais très légèrement, ma Saint-Jacques comme ça. Un geste qui est hyper délicat, il faut le faire tout doucement. Je vais saisir maintenant mes Saint-Jacques, attention, une poêle qui est bien chaude. Et là, je vais saisir à l'unilatéral, je pose côté ouverture. Je les soulève pour que l'huile puisse passer un peu en dessous. On peut aussi les faire au beurre sans aucun problème. Moi, j'aime bien la Saint-Jacques saisi assez fort. Là, j'ai pris le parti pris de l'huile d'olive. C'est un produit que j'aime beaucoup aussi. Voilà. C'est ça que je cherche. Mes Saint-Jacques. J'éteins mon feu. Et tout simplement, je vais récupérer ma Saint-Jacques qui est marinée dans l'ail noir. J'ai des petites tranches de pain que je vais faire revenir dans le même gras de cuisson de mes Saint-Jacques. Comme ça, on garde tout ce parfum, on garde les mêmes notes. On va venir déglacer aussi les sucs de caramélisation qui sont en train de se créer grâce à la cuisson de la Saint-Jacques. Je vais faire tout simplement des petits sashimi très fins. Voilà, c'est ça que je veux. On a une puissance en goût, une délicatesse. J'ai mes barres de Saint-Jacques qui ont bien confit. J'ai rajouté un tout petit peu de lait de coco, un peu de curry, donc pas de curry vert, c'est du gingembre, citronnelle, de la coriandre. On va commencer la partie du dressage. On rajoute nos coraux à l'ail noir. Je vais tout simplement venir poser ma Saint-Jacques au-dessus. Pour la deuxième, purée de céleri. Rien de compliqué, tout simplement le céleri qui est cuit avec un peu d'oignon, un peu d'ail.
J'ai posé ma Saint-Jacques au milieu. Je vais venir râper un peu de truffe. Parce que ce qui est génial de la Saint-Jacques, c'est que quand c'est sa saison, on commence aussi un peu à avoir de la truffe. La troisième, on a donc nos barres de Saint-Jacques qui ont bien confit. Je vais poser tout simplement pareil au milieu. Je rajoute bien de ma sauce. J'ai mon lard qui est bien confit, qui est un peu crispy. Je vais rajouter tout simplement comme ça. J'ai aussi des petits croutons de pain qui ont trempé un peu dans mon gras de cuisson que j'ajoute comme ça. Je vais tout simplement finir par ma dernière version de la Saint-Jacques qui est la crue. Donc j'assaisonne avec un peu de fleur de sel ma Saint-Jacques crue. Je vais venir disposer délicatement sur mon toast. J'ai un tout petit peu de feuilles d'huître, un tout petit peu de pousse de moutarde, quelques petites fleurs, un peu de jus de citron, un tout petit peu de citron caviar. On va poser nos Saint-Jacques comme ça sur nos galets. On a le dernier qui est le petit ceviche qu'on vient poser au milieu. Voilà les amis, le tour est joué. Pour moi, ça serait l'aventure des quatre mousquetaires. La grande aventure.